Coucou les fougères, c'est Lundi et on se retrouve pour un nouveau shiny après pas mal de temps. Mon dernier shiny étant Azuril qui est tombé en janvier. On se retrouve 2 mois après, 2 mois et demi après même, puisqu'on est le 24 mars. Il est 20h14 et ça fait 4 minutes que je suis devant ce petit chrysacier. Donc Chrysacier était une de mes cibles sur le concours insecte de ma version Art Gold. Donc je faisais les mardis, jeudi et samedi, étant donné que sur ma version Art Gold, je n'ai pas encore battu la ligue, donc c'est toujours les Pokémon de la première génération qui sont présents. J'avais 60% de Pokémon dans la zone que je voulais, les 40% restants étant la famille d'Aspico, donc Aspico à 20%, 10% de Coconfort et 5% de Dardarian et les 5% de Scarabrut qu'il y avait aussi. Donc je suis assez contente d'avoir Chrysacier. Même si j'aurais préféré avoir un mâle, puisqu'il évoluera en papillusion, si j'arrive à le capturer comme il le faut. Et bon, je préfère le papillusion mâle, à cause de ses ailes. Mais papillusion est un très très beau Pokémon, donc parfait. Donc c'est cool. Donc c'est mon 99e shiny, plus qu'un seul avant les 100. Cool. Je viens juste de reprendre en plus. Je peux faire des rencontres, étant donné que pour une fois, je viens juste de prendre la chasse. Donc, le concours n'est pas encore terminé. Du coup, c'est bien parce que c'était une recherche assez longue. J'ai fait 14 669 rencontres avant de tomber sur une cible. Mais c'est cool. Donc, je voudrais partir du concours. Voilà, il m'en restait 11 minutes. Sur le concours. Bon, je suis pas sûre de gagner avec un chrysacier. Alors, voilà, en troisième position. Dommage, dommage. Je pense m'arrêter sur le concours insecte. Je dis ça assez souvent, mais je pense vraiment que là, j'ai pas vraiment d'autre raison de rester parce que les cibles qui m'intéressent ne sont pas si simples à avoir et il y a d'autres façons surtout de les avoir donc bon, on verra à ce moment là les citrus. Ah, je suis contente n'empêche de l'avoir. C'est ouais un petit peu déçu de ne pas être tombé sur un mâle, mais il est arrivé assez rapidement et dommage je l'ai pas vu dans l'ombre. Ah ouais. Alors. Ah c'est cool.
Donc ben ça me permet de commencer une nouvelle recherche, enfin commencer ou reprendre une nouvelle recherche, je ne sais pas encore. Peut-être que je sauvegarde d'abord. Je vais d'abord sauvegarder et ensuite. Ah c'est cool. Là j'ai eu pas mal de chenilles sur le concours insecte. Je dois en être à mon 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, je crois que c'est mon 6e chenille concours insecte. Il est pas dans mon équipe. D'habitude se perdre. Alors. Bon. Alors là, je vois la nature. Pour le coup, ben moi j'aurais parié Foufou, Anne c'est relax, Sylvain timide. On va aller faire Pince gentil, Francis calme. J'ai plus l'habitude de faire les paris nature. Mais je crois pas que je connaisse quelqu'un qui parle lâche. Merde, j'ai essayé de l'ango. Oh là là, la nulle. Pauvre nouille. Une véritable équiche quand je me mets. Alors. Ah c'est cool. Il flash bien sur fond de nuit mais c'est impossible. Que dire d'autre? Je vais me faire buter. Après je vais faire de l'entraînement. Qu'est-ce que je pourrais envoyer? Yo, oh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu ça. Oui, donc ben après je vais me mettre à entraîner donc mon crétacier pour le faire évoluer. Sainteté lâche. En tant que crétacier, la boule lui va pas mal. En tant que papillusion, ça pourrait être mieux, mais. Je sais pas vraiment si c'est bien pour lui quand même. Ah, mais elle est cool. Donc voilà, je vais vous montrer une dernière fois les étoiles, puis ensuite je me déciderai à l'entraîner lui et à entraîner Merwood aussi que j'ai toujours pas fait. Et on ira en route pour le 5e chenil. Bye bye!